Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On va procéder au premier tirage du jour. Allez, c'est parti. Voici le livret, l'intérieur, comment ça se trouve. Les cartes. Donc, je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question. Choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Comme hier, la moisson. C'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. C'est donc l'image du temps, de la récolte, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale l'aboutissement d'une situation. C'est une fin de période et le début d'une autre, une période de transition. Les résultats, quel que soit le domaine, dépendront essentiellement des actions du consultant face à une situation donnée et de son investissement. Carte numéro 2. Les poissons. Cette carte est souvent associée au travail et à l'argent. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle annonce une période propice à une augmentation ou à une reconnaissance professionnelle. C'est la carte qu'il faut tirer pour réussir dans les affaires ou gagner un procès. Carte de l'opportunisme, elle signale que le consultant parviendra toujours à s'en sortir, et ce, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il vive. Elle est là pour indiquer à celui ou celle qui interroge l'oracle de suivre ses intuitions et d'aller au-delà des apparences. Sur le plan professionnel, le consultant a les coudes franches. Il n'a plus qu'à suivre les courants. Parfois, la carte des poissons symbolise le gain de liberté. Sur le plan amoureux, c'est la lame de la fusion, de la sensualité, de la passion, de l'amour inconditionnel. De manière plus générale, les poissons peuvent aussi représenter un voyage, des vacances ou encore une prise de distance. Prendre le large, se détendre, buller. Au négatif, c'est le flou, les doutes, les incompréhensions, l'insécurité. Saisissabilité. Carte numéro 3. L'hélice. C'est une très bonne carte. Elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'excellents présages. Au travail, elle indique que les efforts du consultant seront récompensés et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. C'est aussi l'indice de signature de contrat, d'acceptation d'un projet, d'une promotion, d'une augmentation. Sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du septième ciel, le bonheur absolu. Pour un célibataire, cette carte indique la fin prochaine de la solitude. Voilà, c'était le premier tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. À bientôt!